Bonjour, donc tout d'abord, je voulais remercier le docteur Moulin qui nous a sollicité donc, le service de pharmacologie pour participer à cette journée et puis vous faire une présentation donc, sur la vitamine D et la COVID-19. Donc moi, pour me présenter, je suis Sophie Fédrizi, je suis pharmacien, je suis praticien hospitalier donc, dans le service de pharmacologie du CHU de Caen et je suis responsable du centre régional de pharmacovigilance avec le professeur Joachim Alexandre. Je suis désolée de ne pas être présente à Pont-l'Évêque aujourd'hui, mais la COVID est passée par ma petite fille et qui, par ailleurs, soit dit en passant, est supplémentée par la vitamine D par sa pédiatre. Donc, diapo suivante, si vous voulez. Merci. Donc, pour débuter cette présentation, j'avais choisi de commencer par des données que je trouvais intéressantes sur donc de l'infodémiologie. C'est un domaine émergent de recherche scientifique, donc qui est axé sur la recherche sur Internet de contenus liés à la santé dans un but de santé publique. Et donc cette épidémie de COVID-19 que nous vivons depuis l'année dernière a de nombreux impacts donc sur nos comportements de vie, à commencer par notre alimentation et notre style de vie. Et ça se retrouve dans les recherches que nous faisons tous les jours sur Internet. Donc cette belle étoile que vous voyez devant vous, ça représente les corrélations entre les cas de Covid positifs et confirmés et les mots-clés de recherche sur les moteurs de recherche Internet. Donc les flèches bleues, enfin les traits bleus, ça indique des corrélations positives dans les recherches Internet, alors que les roses, c'est les corrélations négatives. Et plus le trait est foncé, plus le lien est fort. Donc, on voit nettement sur cette présentation que les recherches, tout ce qui est activité extérieure, restaurant, cinéma, gym, hôtel, tout ça, ça a été modifié au profit d'activités beaucoup plus sédentaires et de recherches sur les compléments alimentaires, où on voit donc avec ma petite flèche orange que la vitamine D est en bonne position dans ces recherches sur Internet. Diapositive suivante. S'il vous plaît. Donc, au niveau de la temporalité, il y a eu une deuxième étude sur laquelle j'étais tombée. Elle a montré l'explosion des recherches sur le thème de vitamines. Donc, ça, c'est ce que vous voyez sur le graphe en bas à gauche, qui montre qu'il y a eu une explosion des recherches à partir de février 2020, avec une activité qui est quand même restée forte les mois suivants. Et cette même étude, elle nous renseigne sur les mots-clés qui étaient associés à la vitamine D. Ça, c'est ce que vous avez dans le petit tableau à droite. Et donc, Vitamine Worldwide, vous avez cette association de termes qui est associée à la vitamine D, donc vitamine D, COVID, vitamine D, COVID, vitamine D, coronavirus. Donc, des recherches qui ont été très actives à partir de cette période. Donc, diapositive suivante. Les comportements dans les pays sont nettement différent aussi ce qu'on voit dans ces graphes et on peut constater de base qu'il y a certains pays qui ont un taux de recherche qui est plutôt bas habituellement donc ça c'est l'Espagne, l'Italie, le Brésil et les Pays-Bas et pour ces pays donc on a constaté un pic à partir de le début de l'épidémie l'année dernière en février 2020 et pour les autres pays comme les Royaumes-Unis ça a été un peu plus tardif et une recherche un peu plus décalée. Et pour la France que vous avez en haut à gauche, donc on constate cette augmentation à partir de mars, et puis on a un deuxième pic en juin. Alors, par ailleurs, on voit qu'en France, on a eu un pic de recherche antérieurement, donc en août 2016, enfin entre août 2016 et juillet 2017. Donc ça, quand j'ai recherché à quoi ça correspondait, ce pic, il correspondait en fait à la médiatisation du cas d'essai qu'on avait eu avec l'uvestérol avant que ce qu'il soit supprimé du marché dans son indication pour la supplémentation en vitaminique. Donc, diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, j'ai moi-même cherché sur Google Trends comment ça a évolué en France dernièrement. Et on voit qu'on a à nouveau ces deux pics récents de recherche sur Internet sur la vitamine D. Donc, le premier en fin d'année 2020, celui-ci, il correspond au moment où il y a des médecins qui donc ont fait une tribune pour recommander de supplémenter la population en vitamine D.
Et on a ce pic aussi en 2021, donc là le deuxième que vous voyez sur la diapo, qui correspond en fait à la diffusion par les autorités de santé et les sociétés savantes de l'alerte sur le vis-à-vis des surdosages en compléments alimentaires en vitamine D. Donc, diapositive suivante. Donc là, je me suis intéressée sur la consommation des médicaments en ville pour montrer que l'intérêt des Français pour la vitamine D s'est aussi traduit dans leur consommation de médicaments. Et donc, on a consulté les données de remboursement de l'assurance maladie dans les officines de ville. Et donc, on marque donc vous avez deux colonnes. Il y a la colonne du nombre de consommants de produits enfin de médicaments à base de vitamine D, et vous avez la colonne avec le nombre de boîtes qui est remboursée. Et donc, on remarque qu'il y a une augmentation prononcée du nombre de consommants de vitamine D sur les spécialités qui renferment du cholécalciférol et du calcifédiol. Et on a aussi une augmentation du nombre de boîtes qui est important, alors qui augmente pour l'alpha-calcidol et qui est plus important pour les médicaments renfermant du cholécalciférol et du calcifédiol. Donc, diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, qu'est-ce qui pousse les Français à se tourner vers la vitamine D? Donc, a priori, pour la vitamine D, ce n'est pas Didier Raoult qui est dans ce tuyau. Néanmoins, à faire pâlir l'hydroxychloroquine, on sait que la vitamine D fait l'objet de nombreuses recherches depuis au moins 20 ans et qui ne concerne pas seulement son activité endocrine dans le métabolisme phosphocalcique, donc on vient d'aborder. Mais la vitamine D, c'est une super hormone qui a des effets immunomodulateurs et anti-infectieux, dont on a parlé rapidement tout à l'heure. Les récepteurs à la vitamine D, il faut savoir qu'ils sont exprimés dans de nombreux types cellulaires et ils vont activer entre 200, même entre 200, mais même il y a des chiffres qui diffèrent, mais entre 200 et 500 gènes qui sont la plupart en lien avec le système immunitaire. Donc ces récepteurs à la vitamine D, on voit à droite qu'ils sont présents sur un grand type de majorité de cellules immunitaires. Ils sont présents sur les macrophages, ils sont présents sur les cellules dendritiques, et ils sont présents aussi sur les cellules épithéliales. Et on peut les retrouver aussi au niveau des lymphocytes B et des lymphocytes T activés. Donc la vitamine D, elle va améliorer l'immunité cellulaire en réduisant ce qu'on appelle la tempête cytokinique induite par le système immunitaire inné. Elle va réduire la production de cytokines pro-inflammatoires et elle va, à contrario, aussi augmenter l'expression anti-inflammatoire des macrophages. Donc, c'est aussi un immunomodulateur de l'immunité acquise. Donc, ça, c'est ce qu'on a un peu au milieu sur la diapo. La vitamine D va supprimer les réponses médiées par les lymphocytes T en réprimant la production de cytokines inflammatoires, donc l'interféron gamma, les IL-2. Elle va favoriser la production des cytokines par les lymphocytes T2 et elle va favoriser l'induction de cellules T régulatrices qui vont inhiber les processus inflammatoires. Donc, diapositive suivante, s'il vous plaît. Il y a aussi des recherches récentes qui ont montré que la signalisation NF-kB, donc c'est une voie centrale de l'information qui est assez recherchée, enfin il y a beaucoup de recherches en ce moment dessus, donc cette voie NF-kB, elle est impliquée dans l'expression des gènes pro-inflammatoires et joue un rôle central dans la pathogénèse de la COVID, où elle serait surexprimée chez les patients sévères. Donc, cette hyperactivation, elle serait en lien donc avec la protéine S virale directement liée à la structure du virus. Donc, il a été montré que l'inhibition de cette voie, elle pourrait réduire la gravité de l'infection et c'est justement ce que ferait donc la vitamine D dans ce domaine. Donc, c'est ce qu'on voit là en se fixant à son récepteur et puis après au récepteur stéroïde, enfin, pardon, récepteur rétinoïde. Donc, on voit que la vitamine D pourrait supprimer cette voie. Et donc, en conclusion, pour ça,
la vitamine D, elle joue vraiment un gros rôle dans la régulation de la réponse inflammatoire. Alors, pour cette diapositive, donc, j'ai dit tout à l'heure que la vitamine D avait aussi une activité antimicrobienne. Donc, cette activité antimicrobienne, comme on le voit sur ces dias, donc, elle est en lien avec les macrophages et les monocytes. Et c'est un effet qui a été pas mal étudié dans la tuberculose, donc, comme on voit à gauche. Et donc, la vitamine D, elle aurait un impact direct sur la production d'un peptide antimicrobien qu'on appelle la catélicidine. Et elle va améliorer donc l'immunité innée grâce à l'induction de ce peptide. Cette catélicidine, elle présente une activité antimicrobienne qui lui est propre, directe. On a mis en évidence qu'elle avait un spectre large, avec une activité large sur un certain nombre de microbes, sur des bactéries, donc qu'elles soient gram-négatifs ou grain positif, sur des virus et aussi sur des champignons. Donc, ce peptide antimicrobien, il va tuer les membranes, il va tuer donc les microbes en perturbant les membranes cellulaires et en neutralisant les activités biologiques des endotoxines de ces agents. Donc, il y a une autre, en similarité à cette action sur, donc on a dit sur des bactéries, elle a, comme on voit sur la droite de cette diapositive, la vitamine D peut promouvoir une activité antivirale avec des mécanismes qui se recoupent avec la catélicidine aussi, qui va jouer un rôle et qui interviendrait dans l'élimination de la COVID, enfin, du coronavirus. Il y a une autre activité qui relève de ces deux mécanismes, c'est une promotion de l'autophagie et par la vitamine D qui va agir, donc ça vous le voyez à droite de la diapo, en agissant sur la voie mTOR qui est une voie qui inhibe normalement donc l'autophagie des microbes. Donc, diapositive suivante. Donc le rôle des défensif de la vitamine D, il passe aussi par ce système renin-angiotensine dont on parle beaucoup depuis l'année dernière, parce qu'on sait que le SARS-CoV, donc le coronavirus, il va entrer dans les cellules humaines en se fixant à la CE2, donc l'exopeptidase membranaire, donc l'enzyme de conversion de l'angiotensine, pardon, de type 2, pardon, dont la fonction première en fait, de cette exopeptidase, c'est de dégrader l'angiotensine 2. Alors, en angiotensine 1,7, comme on voit sur la diapositive, qui a une action, elle, vasodilatatrice, et aussi une action sur l'angiotensine 1, donc une figure sur cette diapositive, en angiotensine 1 et 9, qui n'a pas d'activité qui a été montrée à ce jour. Donc, l'activité de l'angiotensine, enfin de la CE2, qui provoque une diminution de la vasoconstriction, de la rétention sang D et des effets profibrosants en fait, de l'angiotensine 2. Donc, le SARS-CoV-2 qui pourrait entraîner une diminution de l'expression de la CE2 sur les cellules infectées va altérer la contre-régulation de l'angiotensine 2 et ce qui pourrait en fait participer à la pathogénie de la COVID-19 puisqu'on a un déséquilibre entre ces formes. Donc, où intervient la vitamine D là-dedans? En fait, elle interviendrait par un mécanisme sur le système renin-angiotensine. Elle serait même un des plus importants effets modulateurs du système renin-angiotensine en diminuant l'expression de la renine. Donc, c'est ce que vous avez un peu à gauche sur la diapo. Et donc, inhiber la conversion de l'angiotensinogène en angiotensine 1. Diapositive suivante. Alors, vous me direz, mais d'accord, donc ça, c'est des données un peu expérimentales. Qu'en est-il des études cliniques? Alors, je n'ai pas choisi de passer mon détail dessus. Ces études cliniques, il y en a pas mal en cours. Alors, elles sont parties d'une grosse méta-analyse qui a été publiée avec 11 000 patients qui étaient inclus dans 25 essais cliniques et qui a monté un effet préventif de la vitamine D sur les infections respiratoires aiguës. Ces études, cette méta-analyse publiée par l'équipe de Martineau, elle avait montré un effet supérieur chez les patients qui étaient déficitaires de base en vitamine D
et un effet qui était supérieur si la vitamine D était donnée plutôt tous les jours ou chaque semaine plutôt qu'en bolus. Donc, suite à ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'études qui ont été faites pour la COVID-19. Alors, il y a pas mal d'études rétrospectives ou prospectives, mais des études donc, observationnelles d'un plutôt bas niveau de preuve qui ont essayé d'évaluer les liens. Et ces études, en fait, les résultats sont plutôt contradictoires. Il y en a qui trouvent des liens, d'autres qui ne trouvent pas des liens, mais pour, en raison de leur design, c'est vrai qu'elles se heurtent à de nombreux biais méthodologiques. On a aussi des petits échantillons, des groupes qui sont la plupart du temps qui ne sont pas comparables et qui ne permettent pas de tirer de preuve de ces études. Par ailleurs, il y a quelque chose qui revient aussi beaucoup comme critique à ces études, c'est que dans le cadre de la COVID-19, c'est vrai qu'on n'a pas de solution de traitement pour cette épidémie gravissime. Et donc, il y a eu des publications qui ont été faites plutôt rapidement et qui n'ont pas été revues par des pairs. Qu'est-ce qu'on a en plus haut niveau de preuve ? On a seulement deux études contrôlées, randomisées, qui, elles aussi, ont des biais dont on peut parler, notamment des petits effectifs. Il y en a une qui a été publiée, mais qui était une étude préliminaire à un grand essai multicentrique, donc l'étude de Covidiol, qui a pour but de recruter 1000 patients, qui est en cours et dont on attend les résultats. Donc, toutes ces études, si vous voulez plus de détails, il y en a quand même pas mal, il y en a quasiment une centaine, elles sont publiées sur Clinical Trial et vous avez les résumés qui sont détaillés sur Clinical Trial. Et par ailleurs, du coup, j'ai regardé s'il y avait des études en pédiatrie, mais il n'y a pas d'études disponibles à ce jour sur la vitamine D et la COVID en pédiatrie. Donc, diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, dans cette deuxième partie de ma présentation, là, je me suis concentrée sur les données de pharmacovigilance et de données de pharmacoépidémiologie, donc, dont on s'occupe, nous, tous les jours. Alors, comme vous le savez, ou peut-être pas, mais tous les pays qui participent au programme de l'Organisation mondiale de la santé, donc l'OMS, alimentent une grande base de données qu'on appelle Vigibase. Donc, comment on alimente cette base ? En fait, dès lors qu'un pays a un système de pharmacovigilance, toutes les données qui sont enregistrées, qui sont déclarées, sont enregistrées donc, dans nos bases nationales. Donc, nous, on a une base à la ANSM. Et après, tous les cas de la base alimentent cette grosse base mondiale, donc Vigibase, depuis 1965. Donc, la principale utilité de cette base, c'est d'en faire de la détection de signal. Et donc, je me suis dit qu'on allait interroger Vigibase pour voir ce qu'ils donnaient sur la vitamine D. Et on a regardé dans la base ce qu'il y avait donc avant 2020 et après 2020. Donc, depuis le début, donc ça c'est ce que vous avez en haut à gauche, en fait on a 12 000 cas seulement qui sont, je dirais oui seulement, puisque je ne connais pas exactement la commercialisation de la vitamine D, mais bon, depuis 1965, on va dire, ça ne ferait pas beaucoup de cas. Si on faisait un calcul rapide, même depuis 1960, même si ce n'est pas commercialisé depuis ce temps-là, ça ferait 200 cas par an de pharmacovigilance qui seraient enregistrés avec la vitamine D. Et donc en comparaison, en bas à gauche, on a déjà, si je puis dire, 2500 cas de pharmacovigilance qui sont enregistrés avec la vitamine D. Donc, c'est à l'échelle mondiale, donc c'est quand même peu, mais on a quand même une augmentation assez forte du nombre de cas qui a été enregistré depuis début 2020. Alors, pour ce qui est du palmarès, je vous ai mis en droite, à droite juste pour, voilà, comme ça en clin d'œil, le podium des gens qui ont, enfin des pays qui ont déclaré, donc ce n'est pas le podium des Jeux Olympiques, mais bon, ça pourrait y ressembler. Et les États-Unis sont en tête. Là, depuis 2020, on a la Chine qui émerge. Donc la Chine, avant, n'avait pas beaucoup de cas, mais là, s'est mis à déclarer des cas de vitamine D. Alors, ils l'ont peut-être utilisé. Ça peut-être expliquer pourquoi ils avaient peu de morts de la COVID. Mais bon.
Et la France qui est arrivée quatrième de ces cas enregistrés dans la base mondiale. Donc, si on passe à la diapositive suivante, donc, comme je vous le disais précédemment, dans cette base, on peut faire de la génération, de la genèse, une génération de signaux de pharmacovigilance sur des effets indésirables qui ne sont pas connus ou sous-estimés. Donc, nous, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon de la disproportionnalité. Donc, en fait, on essaye de mettre en évidence une surnotification ou ce qu'on appelle une notification disproportionnelle d'effets particuliers qui sont associés à un médicament d'intérêt par rapport à tous les autres effets qui sont enregistrés dans la base mondiale. Donc, pour cela, en fait, il y a des calculs qui se font, hein, ce sont des méthodes statistiques et qui consistent à calculer des indices. Alors, il y a plusieurs méthodes. Nous, on se base sur un qui s'appelle l'IC025, donc Information Component. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on estime qu'on a un signal quand on a un IC025 qui est supérieur à 0. Et plus cet IC025 est élevé, plus le lien entre le médicament et l'effet indésirable est important. Donc ici, on a regardé pour les surdosages et les mésusages en lien avec la vitamine D avant et après 2020. Donc on peut constater qu'avant 2020, donc c'est la première ligne qui apparaît en rouge au niveau de la ligne de l'IC025, on n'avait pas de lien, pas de signal en ce qui concerne les surdosages liés à la vitamine D. En revanche, après 2020, donc c'est la troisième ligne, on a un petit signal qui émerge, donc on a un peu plus de surdosage lié à la vitamine D depuis le début donc 2020. Et en ce qui concerne les mésusages, donc avant 2020, le signal était déjà un peu positif, il était donc à peu près à 0,11, mais on voit qu'il a nettement augmenté après 2020, donc avec un signal qui est à 1,32, et donc on a une surnotification des cas de mésusage, donc l'utilisation de la vitamine D dans une indication qui n'est pas la sienne à partir de 2020. Donc, diapositive suivante, s'il vous plaît. Dans cette diapo, alors là, je vous ai mis les âges des cas, des cas déclarés avec la vitamine D. Alors, je suis désolée, je n'ai pas mis la légende, mais alors, quand c'est bleu, du coup, c'est avant 2020. Quand c'est orange, c'est après 2020. Alors, sur les cas de mésusage, c'est pas flagrant, il n'y a pas grand-chose qui ressort. En fait, il y a pas mal de données inconnues, donc on n'a pas trop de conclusions à tirer sur la différence des patients qui auraient utilisé la vitamine D en situation de mésusage. Par contre, sur les cas de surdosage, on le voit à droite, on voit quand même qu'on a une augmentation pour certains. Donc, catégorie d'âge, alors j'ai le chat qui s'affiche, du coup ça me cache un peu. Bon, je répondrai à Madame des Doigts tout à l'heure. Donc, on a une augmentation sur les 45-64, on a une augmentation sur les 18-44, mais on a quand même une grosse augmentation des cas de surdosage sur la pédiatrie, des nourrissons, donc entre 28 jours et 23 mois, on voit quand même qu'il y a une nette augmentation des cas de surdosage qui sont enregistrés dans la base mondiale de pharmacovigilance. Diapositive suivante. Là, c'est pour la symptomatologie. Je vous ai mis sur les cas de surdosage. Donc, quand on regarde quels symptômes sont associés les cas de surdosage, on voit à gauche qu'avant 2020, on avait à peu près entre 20 et 25% de cas d'hypercalcémie donc déclarés en lien avec ces surdosages. On a des insuffisances rénales entre 5 et 10%. Et puis après, d'autres signes de surdosage, les nausées, les diarrhées, les vomissements. Après 2020, donc c'est à droite, on a plus de cas d'hypercalcémie qui ont été déclarés. Donc on a plus de 30%. Mais une plus forte proportion, par contre, des nausées, de la fatigue, de l'appétit diminué, un peu moins du reste et encore des insuffisances rénales,
donc des symptomatologies, des fins indésirables liées au surdosage en vitamines. Donc, diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, en ce qui concerne la pharmacovigilance française, du coup, je suis revenue sur les cas qui ont été déclarés chez nous. Donc là, je vous ai remis une observation qui avait été publiée par nos collègues donc, de Nice. Donc, les centres de pharmacovigilance, en fait, on agit en réseau. Et puis, bon, bah, chacun enregistre pour sa région les cas qui les concernent. Donc, je vais revenir à la question de Mme Desdois. Du coup, la pharmacovigilance, elle s'occupe de la pharmacovigilance qui concerne les médicaments, donc les médicaments avec qui ont une AMM, d'où sa définition. Par contre, les compléments alimentaires, c'est l'ANSES qui s'en occupe. Ce n'est pas nous. Alors, ce cas-là, du coup, il concernait bah, finalement un peu l'ANSES, mais il avait été déclaré au centre de pharmacovigilance. C'était le cas d'un nourrisson de 3 mois qui a été hospitalisé pour des vomissements, un refus de tétée et une perte de poids. Donc, il était né à 36 semaines. Et en fait, ça a été mis en évidence que, donc, lors de son hospitalisation, qu'il avait un bilan phosphocalcique très perturbé, une hypercalcémie et tout ce qui va avec un surdosage en vitamine D. Et il a été mis en évidence, en fait, qu'il avait eu une prescription à la sortie de la maternité en Zimad D pour la supplémentation qui est recommandée, donc à 4 jours. 4 gouttes par jour, donc recommandé à l'époque. Et en fait, sur conseil de la sage-femme, les parents avaient acheté une vitamine D sur Internet, donc là, la vitamine D Sun D. Et ce complément alimentaire, en fait, une goutte correspondait à 10 000 UI. Donc le petit bébé, il avait reçu 40 000 UI par jour pendant plusieurs semaines. Donc ce que je voulais dire peut-être pourquoi ils sont retournés vers Internet, bon là il y a la sage-femme qui a conseillé ce complément, mais c'est vrai qu'il y a quand même une défiance, on en a un peu parlé tout à l'heure, une défiance vis-à-vis de la vitamine D, vis-à-vis de certains produits. On a eu déjà les problèmes au début avec le vestérol avec certains morts, et le problème de on n'arrivait pas à faire changer la formulation, donc finalement ça a été retiré. Peut-être qu'il y a eu moins de consultations aussi. Enfin, il y a eu, dans le domaine général, moins de consultations pendant la période Covid. Donc, j'imagine que la pédiatrie n'a pas fait exception à ça. Et peut-être que plus de report bah, vers Internet, comme on a vu tout à l'heure avec les premières diapos. Donc, diapositive suivante. Donc là, on en a parlé déjà tout à l'heure, mais je vous ai remis en fin janvier 2021, du coup, les sociétés savantes de pédiatrie, le collège des sages-femmes, l'ANSES, donc, comme je vous ai dit, qui a la charge des compléments alimentaires, les centres antipoison et l'ANSM ont alerté sur les risques du surdosage. Donc, il y a USCA qui a été remonté par Nice, il y avait eu le CHU de Lille, je me rappelle, qui avait communiqué, et donc a alerté donc, sur les risques en lien avec les compléments alimentaires. Donc, on l'a déjà dit tout à l'heure avec M. Bonnour, mais c'est vrai qu'il faut bien répéter que les compléments alimentaires ne font pas l'objet de contrôles stricts, comme ce qui est demandé avec les médicaments dans le cadre de leur AMM. Et en plus, il y a un nombre élevé souvent de produits qui peuvent avoir des concentrations différentes et qui peuvent aussi renfermer d'autres vitamines qui ne sont pas forcément recommandées chez les enfants. Donc voilà. Donc j'en arrive à ma conclusion sur la dernière diapo. Donc cette vitamine D, on a montré il y a eu un grand intérêt qui a été mis en avant dans le contexte de la crise Covid. Il y a eu plusieurs savants qui ont conseillé une prise de vitamine. Toutefois, en dehors de certaines indications, il faut dire que la vitamine D n'a pas fait ses preuves là, dans la COVID, ni dans la pertinence, dans la gravité et la mortalité de cette pathologie. Et que donc, pour clôturer cette demi-journée qui tournait autour de la pédiatrie, bah, il faut rappeler qu'il convient de respecter les recommandations. Donc, je vous remercie.